Alors, le prochain niveau de Dieu, on va se marrer. Parce qu'il y a une tonne de choses à récupérer, comme c'est un niveau plus ouvert, on est dans une grande map. Voilà, pour aller péter un seul boss. Alors, en soi, techniquement, c'est un niveau qui peut être assez court, enfin... Si je me rappelle bien, le boss est quand même assez chaud à voir. Mais donc, on va d'abord explorer. Bonsoir Springfield, ici Ken Brockman qui court après l'imbécile de la ville Homer Simpson et son délinquant de fils Bart qui se sont engagés dans un combat improbable contre la mascotte d'un magasin de donuts. Bart Simpson, ton père et toi, vous êtes fous ou quoi? Coucou Lenny, je passe à la téloche et je viens de dire ton nom à la téloche. Le dis pas à Carl, à moins qu'il regarde, il a... Coucou Carl, dis pas à Lenny que j'ai dit ton nom. Oh le cri qu'il fait. Ouais, c'est pas le vrai Krusty. Alors là, je vais chercher les studios Krusty en fait. Alors on entend Ken Brockman mais je sais pas où il est donc je... On va essayer de fuir le boss parce que notre but c'est pas de l'avoir pour le moment. Home of the Colossal Dennis. Alors ensuite on va se rendre là-bas, là où ça se défloute. Ah putain ils font du bruit. Alors je... Alors alors, donc là on a des donuts. Ah, attends. Donc, alors là il y a plusieurs références. Donc, je vais vous les expliquer. Chercher une donut. Alors, ça c'est le troisième objet. Alors, quoi comme indiqué sur l'image, il n'y a pas d'image. J'aime bien mon let's play qui me dit. Alors, visiblement, il y a un passage secret dans le coin à chercher. Près du panneau, allez, sur le chemin indiqué, on va essayer de trouver le choix. Alors, il y a deux références. Le gros machin Donuts, pour ceux qui, on va dire, connaissent un peu les Simpsons Orancho, c'est la référence à un Simpson Orancho où Homer lui vole le Donut, s'y prend vie, et puis il essaye de se venger, donc d'Homer. Ah. Bart. Putain, mais Bart est mort, quel débile. Donc, il essaie de se venger d'Homer, lui rendre visite et tout, et au final à la fin, je sais plus si c'est celui-là ou... Non, c'est peut-être pas celui-là où Homer il devient lui-même un donut, je sais plus. Mais voilà. C'est bon, alors 8 pour Bart, 9 pour Homer, ça vous donne le truc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Et pour les Krusty, ça fait référence à un épisode où justement ils achètent un petit Krusty dans un, tu vois, dans une petite boutique. Où, je sais pas si vous voyez, mais genre les, genre, tu sais, la boutique avec le vieux mec chinois qui te vend des trucs chelous, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, sauf que la poupée se révèle vivante, il y a que Homer qui s'en rend compte et elle l'agresse et tout. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait elle était sur le bouton méchant et une fois que tu mets sur le bouton gentil c'est tranquille. Et putain je vois pas où est ce putain de truc, voilà, donc je vais aller chercher un peu hein. Alors je viens de voir où c'est. Alors il faut monter sur la corniche, je sais pas, attends. Comment on pose? Ah c'est peut-être avec l'hélium. Ou on peut aussi comme ça, ouais, aussi. Alors attends. Sans gonfler. Ah, les cris, là, et putain, mais j'entends même pas les conneries de Kate Brotman tellement l'autre, il gueule. Ouh.
putain. C'est peut-être comme ça, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée de comment on va aller choper. Alors attends. Ah putain, et là ça marche. Oui, oui, putain de merde. Ben oui, il se fout de ma gueule un peu là. Bon bref, allez, on va passer au prochain truc. Alors, à la place en rond-point à côté de l'usine de recyclage des graisses. Putain, sérieux, il peut aller jusqu'ici, ce con? Ah putain de merde. Ça va pas le faire. Alors, donc, ensuite, la plateforme en rond-point à côté de l'usine de recyclage des graisses. Oh putain. Ah, c'est en train de doucement me gonfler, hein. Oh. Hey, mais ça commence à me faire mal au crâne, on se calme, là. Ah, putain. Alors, comment on va faire là? Attends. C'est ça l'usine de recyclage de graisse là qu'il faut que je me rende? On va déjà, on va en profiter pour déjà essayer d'avoir le truc de Bart là. Tant qu'on est à côté, on essaye d'avoir les collectibles visibles. Ah putain, et si la manette me fait n'importe quoi aussi, ça marche. Vous aussi, vous le sentez bien le truc de merde? Attends, il y a un autre moyen ou ça se passe comment? Ouais. Non, visiblement c'est par là. Ah! Il y a un grappin, où ça? Putain, c'était ça le grappin. Allez. Alors, mais la plateforme de bois, je comprends pas trop où c'est, donc je vais essayer de me repérer à nouveau. En fait, vous savez quoi? Je vais pas trop me faire chier. En fait, je vais fouiller d'abord tous les environs, et ensuite, seulement, je verrai les endroits et tout. Bon, déjà, ici, j'ai une bonne vue, sans être trop emmerdé, donc ça va. Donc là, je vois qu'il y a une capsule, déjà. Et là, j'en vois qu'un et l'autre. Et ça, par contre, je pense que ouais, c'est au Merillium qu'il faut. Donc, on va déjà essayer de s'en sortir. Si la vue pouvait m'aider aussi, fils de pute. Bon, ce que j'aime bien, c'est que Ken Brotman était juste à côté de nous, hein, dans la cinématique. Et là, normalement, si on se plante pas, il est sur un hélico, carrément. Putain. Allez, vas-y. Au moins, l'autre con, il a arrêté de nous casser les couilles. Ah, enfin! C'est peut-être ça, le truc avec le morceau de bois. J'ai un peu mal à la tête. Suzette. Ah, putain. Ah, bah, pour une fois, il s'agrippe, hein, parce que le côté, on s'agrippe à des rebords. Pas systématique, hein, dans ce jeu. Bah, moi, je dis ça. Évidemment. Alors, là on voit déjà là-bas qu'il y a un truc avec Bart. Ce qui est important à noter. Bon, tu peux. Mais merde quoi alors. Oh. Je vais aller rejoindre Homer, comme ça. On va dire. Tranquille. Je vais devenir secrétaire général d'Opra. Si, c'est vrai. Alors, est-ce que là-bas il y a des trucs intéressants? Je fouille les environs parce que j'ai que ça à foutre en fait. Ça a l'air d'être tranquille, on va continuer à faire notre petite fouille. Hein. Donc je fais une première fouille et s'il manque des trucs, ben j'essaierai de voir qu'est-ce que j'ai pu rater. Où est-ce que j'ai pu rater? Bon là on a déjà eu deux trucs d'Homer, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Bah déjà là on a un coupon. 3 sur 8. Ah putain, je sens que ça va être casse-couille hein. Pour le reste. Oh, je sais pas ce qui me fait dire ça. Oh. J'adore envoyer des textos. Une impression, dirais-je. Ouais, je tombe sur mes pattes comme un chat. On fouille chaque recoin parce que ça peut cacher des trucs. Ah ah. D'accord, donc là, à la fois Homer et machin, ok. Je retiens, je sais pas où Homer il attend là, sûrement peut-être sur le toit de l'autre truc. Homer, viens là. Arrête de faire ton gros flemmard là. Il y a des trucs qui doivent... Au moins il n'y a plus l'autre gros hein. Mais il faut voir les côtés positifs, l'autre gros il est plus là pour nous faire chier. Ah bah les petites têtes bleues me cassent les couilles. C'est le peu de dire hein. Peut-être qu'il y a moyen de sauter aussi directement. Attends, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut s'agripper? Visiblement non, donc on va aller sauter directement depuis le truc. On va voir si on peut. Ah bah déjà, attendez, viande. Déjà il y a encore un truc avec Bart là. Ça va, ils sont assez proches hein, les différents objets récupérés. Ouais, déjà 5. C'est cool. Ouais, on a déjà fait le gros du truc. Ouais, alors. D'après moi, c'est la vanité, plus encore que l'alcool, qui a précipité ma chute. Bon, alors là, par contre, comment je vais faire? Si tu me reprends sur la plateforme, là, je te... Ok. Non, sérieux, là, je fais comment? Ah. Ça marche comme ça aussi. Je vais quand même fouiller en haut, parce qu'il y avait un autre espace, on va voir. Hein. Ouais. Je suis plus à ça près, hein, honnêtement. Oui, trampoline. Non, c'est bon. Bon, bah, on a fait le gros du truc, là. Ouais, je pense que là, on a déjà fait une bonne partie. Ah, il y a peut-être des trucs dans la ruelle derrière. Je sais pas. Bon, moi, ce que je retiens quand même, c'est que putain... Bart. Bon, alors, attends. Allez, descends. C'était où l'endroit où était Homer? Oh, merde. Oh, il y a un petit truc où s'accrocher. Enfin, je crois que c'était un truc où s'accrocher. Ouais, c'est un truc où s'accrocher. Après, je peux tomber directement d'en haut, donc ça va, on va dire, je vais aller y tomber directement. Voilà, ça va, j'arrive à bien les repérer, hein, n'empêche, hein, les différents trucs là pour le moment. Ça va, je me débrouille plutôt pas mal. 6, sachant que je sais où est l'un des deux autres. Là c'est tranquille, il n'y a rien. Attends, je veux juste vérifier. Parce qu'on serait pas assez près du putain de truc caché. Hein. Moi j'ai envie de dire. Hein. Genre ici. Peut-être pas. Bon. On va aller fouiller là-bas. Ouais, c'est surtout de la fouille, hein, ce niveau. Après, on va aller affronter le monstre, ne vous en faites pas.
Il aura son moment, hein, de gloire. C'est moi. Allez, vas-y. Allez, toi, il t'en reste combien? 2. Ça va. Ça aurait pu être pire, il en reste plus que 2. Ça va, sur ma planète, hein. Ça va, ouais, wesh. Enfin, comme ci, comme ça, hein. Ouais, ici, il n'y a rien. Vous avez dit que ce serait pas mal de la fouille, hein, là, ce niveau. En même temps, ouais. Bon, là, on a fait le tour. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, techniquement? Bah, il nous reste le chantier en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a déjà des trucs ici? Je sais qu'il y a celui en hauteur, mais on va voir. Je préfère tout péter parce qu'on n'est jamais sûr. Je verrai bien ces fils de pute placer quelque chose, tu vois. Non? Oh. Sans déconner, vous avez rien placé? Ah putain. Bon, ben, on va aller ici. Bah, il faut que j'aille en haut, de toute façon, il y en a au moins un. Mais par contre, je sens pas. Je sens que j'en ai loupé au moins 2, je pour Homer, peut-être. Et un pour Bart. Alors, ça, c'est pour Homer. Donc, j'en ai sûrement oublié un pour Bart. Ouais, j'en ai oublié un de Bart. Alors, est-ce que d'ici, j'arriverai à voir où est-ce que j'ai bien pu oublier? Non. J'arrive pas à voir. Alors, est-ce que faut que je fasse un planage? Ah, je viens de voir où est-ce qu'il faut que je fasse. Mais donc Homer, il va falloir que... Voilà. Il m'en manque un pour lui et pour toi. Allez, vas-y Homer. Alors, putain. Est-ce que t'as pas un machin là? Allez, oh merde. Merci, oh merde. Putain, sérieux? Ah non! Non! Fils de pute. Oh l'enfoiré. Il m'a fait un coup de pute. Bon, par contre, une fois que j'aurai chopé cela, il va falloir que je voie où est-ce que j'ai pu rater le dernier, puis après on va enfin se faire le boss. Ouais. Vous l'attendiez plus, ça. Je vais devenir secrétaire général d'Oprah. Ah merde, j'ai plus le truc. Oh, on va se faire foutre à un moment donné. Hein. Alors on a l'hélico qui passe en haut. Par contre, on est d'accord, il a pas trop l'air en mode je suis coincé. Comment je fais maintenant? C'est trop ça, le mec, il s'est coincé tout seul comme un con. Alors, Homer, si tu pouvais être un peu moins nul... Mais putain, mais merde! Ah, enfin! Voilà, attends, il reste plus qu'à trouver les derniers pour chacun. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, faut utiliser l'hélium là pour... Ah putain. Faut rentrer dedans. Putain, fils de pute. Ah, il est... vous avez pas idée d'à quel point c'est galère. Poulololo. Alors. En plus, il est gros. Ah, enfin. Bon, Homer, c'est fait. Et voilà le dernier. Nickel, on les a tous eus. Bon bah maintenant on va falloir essayer de niquer le boss.
Ouais. Plus facile à dire qu'à faire. Je sais plus comment on fait exactement. Bon, on va essayer. À certaines personnes, j'ai besoin de vivre les choses passionnément. C'est plus fort que moi. Bon, alors, Michel, t'es paumé ? Bon, je crois qu'il est pas si paumé que ça, en fait, Michel. Bon, allez, ça c'est fait. Bon, par contre, mec, tant que t'es bloqué là, ça me va pas du tout, en fait. Comment je vais t'avoir ? Attends, faut peut-être que j'essaie de te péter la gueule, je sais pas. Alors, attends. Son point faible, je crois qu'il est dans le dos, c'est ça ? Ouais, c'est ce que je me rappelle. Bon, par contre, il me casse les couilles un peu. Ah putain. Allez, viens là. Eh Michel. Allez. Ah putain, comment on fait là? Mais... Oh putain, mais merde. Allez, mais viens, sors de ton appât de merde. Putain, le mec, il s'est bloqué, quoi. Je sais plus ce qu'il faut faire, déjà, exactement, comment la voir. Faut pas lui foutre des coups, non. Bart, dégage de là. Oh, putain. Oh, il va être casse-couille, ce boss. Casse-couille. Hop. Jeu de merde. Allez, vas-y. Suis-moi, je suis là, je suis une cible bien mobile. Mais non, merde. Merde. C'est aléatoire là, franchement, c'est... Allez les gars. Putain, sérieux. Bon, bah, elles sont tombées, hein. Ah, attends, si je me rappelle bien, attends. Attends, c'est quelque chose. Notre but, ça va être d'essayer de l'avoir dans le dos. On va tenter un truc. Oh putain, mais alors, c'est pas... Ouais. Non mais on s'en fout. Alors, attends. Ah, niquez vos mamans. Allez, vas-y. Point faible. L'évidence même pour les plus perspicaces. Ok, dans le mur, ouais. Bon. Ensuite. Salut. D'accord. Bon, tu peux viser ? Alors. Alors, vas-y, putain. À ce niveau-là ? Allez. J'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui a décidé de bugger aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais me dis pas qu'il a bugué ! Non, parce que... Est-ce que vous avez l'impression que j'ai envie de tout me retaper ? Honnêtement. Non mais... Non mais sérieux, quoi.
toujours confiance en toi, fiston. Mais fonctionne, jeu de merde. Oh là là. Oh ben, le boss est bugué. Alors là, juste pour me casser les couilles. Simplement. Oui, juste pour me casser les couilles. Bonne nouvelle, les amis. Déjà, on va pouvoir continuer le boss. Et en plus, Dezio, ça a sauvegardé, donc j'ai pas eu besoin de tout récupérer. Et là, il est pas content et il est en train de fuir pas. Donc il restera deux. Ben, vous aurez remarqué la trappe du milieu et la trappe de la tête à choper. Il est aveugle, hein, moi je suis juste là. Putain. Alors, bon, par contre, le boss, il va être quand même casse-couille. Hein. Bon, c'est dos du donut, ça, en même temps. Oh, putain de merde. En fait, là, j'aurais surtout besoin que, putain, Homer, il fasse diversion. Ouais, j'ai besoin, là, qu'Homer... Homer, t'es où? Viens là, Homer. Allez, vas-y. Là, on s'en fout. Mais putain. C'est quoi Bart qui vise comme une grosse couille fripée? Et voilà, allez, vas-y, viens, Homer. Tu vas réussir à viser un jour, Bart? Mais merde! Bart! Ouh là là! Ouh là 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 là! Ça va pas se le faire! Allez, allez, allez! Mais va te faire enculer aussi, le jeu! Va te faire enculer! Va te faire enculer! Va te faire enculer! Va te faire enculer! Non, vraiment, c'est bon. Je rate celle-là, mais c'est bon, je me prends les couilles. Non! Mais clic! Putain de bordel de merde. C'est le combat, le boss de mes couilles. Ah oui, je suis obligé de mettre en cop, hein, parce que sinon l'IA est tellement débile que... Non, non, hein. Laisse tomber, j'y suis encore dans 3 mois. Hein. C'est chiant, j'y retrouve pas ma manette grise, donc j'ai une manette qui arrête pas de se déconnecter Bon alors la COP, si je refais ce niveau, je pense sur 360, je vais voir comment je me débrouillerai. Je sens que ce sera peut-être le même bordel si c'est aussi bien foutu. Bon, on va se mettre là et puis je vais aller chercher pour la trappe le plus tard. Et va te faire foutre! Bon, je suis en train d'appliquer le plan B. Appliquer le plan B, en gros, c'est... J'attends que... Oh! Par un pur hasard, le méchant passe là où il faut. Non, parce que j'ai essayé de l'amener, mais... À chaque fois, il y avait un twist genre... Oh! Il se retourne par là où il y avait Bart! Qui était dans son dos, donc il avait aucune raison de se retourner pile poil, ce qui a foutu le truc, parce que j'ai réussi à toucher le truc, mais il était tourné vers le mauvais côté, etc. Là, il arrive à voir Bart, alors qu'il est derrière et tout, mais voilà, hein. Soit il est très con, soit il est cheaté. Alors, par exemple, genre, je passais devant lui 15 000 fois, je m'éloigne à peine 2 mètres, il me voit plus, voilà, mais quand je dis je passais devant lui 8 000 fois, il me voyait pas. Non, lui, il est très con et très cheaté, en même temps. C'est phénoménal. J'ai réussi. Mais c'était pas de couilles. Dans le sens où, oh là là, mais je touche le truc, mais ça touche pas, ça fait comme si ça rebondissait sur le donut, mais... Non, non, désolé, mais c'était pas le donut, ça, hein, c'était bien le bon truc. Eh, mais putain, voilà. Faites pas chier. C'est vrai que je savais qu'il était pas de couilles, mais je m'en rappelais plus qu'à quel point. Oh, c'est sûrement la démo, c'est le plus pète couille que j'ai affronté dernièrement. Hein. Dans le sens, comme j'ai dit, ouf, putain, il est mal foutu. Mais il est... C'est qui les numéros 1? C'est nous les numéros 1, et puis c'est tout. Homer, essaie de te montrer un minimum digne dans la victoire. Mon chat de thé à la noix, tout.
Nom de tentacule, comment Dodu Donut a-t-il pu perdre? Ne crie pas sur Dodu Donut, quand c'est sur moi que tu veux crier. C'est vrai, j'ai tout fait capoter. Tu as raison, je t'en veux terriblement. Ouais, moi, va te faire foutre, hein, 10 minutes. Comment tu veux? Sérieux. Quand tu veux. Même en cop et entraîné, je pense que 10 minutes, c'est très chaud, hein. Truc, parce qu'il est chiant, le boss. Bref. Oh là là. Ça me gonfle. J'ai mal au crâne parce que. J'ai baissé le son, mais alors entre le bruit des Krusty, mais ça passe encore. Mais alors le cri du monstre aussi, ça casse le. Ça donne mal au crâne. Hein, honnêtement, fou, je suis pas bien. Ah putain, je sais pas ce qu'ils ont pris. J'espère que sur 360, c'est. Moins chiant. Parce que je dois t'avouer que là, ça va pas me donner envie de le refaire. Hein. On va voir. On va voir. Bon, donc sauvegarde automatique. Parce que les automatiques, c'est fantastique. Les automatiques, c'est antibiotique. Qu'est-ce que vous racontez, mon monsieur? Je vais pas très bien. Ouais, là, j'ai juste envie, c'est de quitter. Ouh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, il faut que je vous montre les trucs. Non, mais là, je suis à Babelouel. Hein. Je suis allé à l'ouest. Allez, vas-y. Oh. Ça va, vous? J'espère que c'est pas trop chiant, cette vidéo. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure sur ce let's play. Au moins, je vous ai tout trouvé. Ouais. Je suis un peu fatigué, là. Ouais. Shadow of Donut, Krusty Mill, ouais. C'est vrai que Krusty Mill. Et là, je vais vous montrer avec Homer. Attends. On va même mieux faire. Voilà. Ah non, on peut pas afficher en même temps, c'est con. Ouais. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on a débloqué? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas incarné Homer, c'est vrai. On a le d'œuf à l'huile. Celui qu'on incarne le plus, c'est Bart, hein, 11 niveau, évidemment. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, les gens. Ferme ta gueule, Homer.